Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Quelles que soient les fréquences que vous utilisez, le son que vous entendez produit différentes longueurs d'ondes électromagnétiques qui sont liées à un état de conscience spécifique. À l'origine, ce sont les incantations, les mantras ou les chants tribaux ainsi que les bols tibétains qui servaient de thérapie sonore. Dans les croyances ésotériques, certains sons avaient le pouvoir de faire disparaître les douleurs physiques. Chez les moines tibétains, les chamans scandinaves, les prêtres amérindiens et bien d'autres encore, l'utilisation des sons et des chants était et est toujours indispensable aux rites d'élévation spirituelle et de guérison. Ils peuvent vous aider à chasser votre stress et laisser place à votre bien-être, harmoniser et synchroniser toutes les cellules de votre corps, resynchroniser vos chakras, retrouver votre sérénité, influencer positivement votre conscience et votre créativité, aider les séances de méditation et l'illumination. Voici un medley des morceaux favoris que Zen, mon principal contact extraterrestre, partage avec moi en début de nos conversations, à l'écrit, en live ou en audio, comme on parle à un ami au téléphone. J'ai ajouté un extrait du son de Jupiter que j'entendais lorsque mes contacts extraterrestres prenaient soin de moi alors que je n'étais encore qu'un tout petit bébé à peine né. Ce medley a été créé par Zen et moi et nous vous l'adressons pour que cette musique vous aide à commencer la nouvelle année 2023 avec toute la joie et la sérénité que vous espérez.